collé par le quart d'horrible. Après, je dois le faire le boss en premier, donc jouer à gauche. Okay. Si je vais là, je redescends de 1. Si je vais là, je peux toujours réussir. En vrai, si je vais là, je peux toujours réussir, je pense. Si je fais ça, il y a des chances que je pousse suffisamment loin. Non. On va faire pulsar. Une bombe. Oh punaise, j'ai pas assez de PA. Ok. Si je crée un mur et que je le booste, j'ai rien pour mettre les mobs dedans. Et surtout, moi, il faut que je fasse le boss en premier. Il a quoi en PM lui? Ok, il aurait tendance à venir là du coup. On va lui donner à manger ici. Comme ça, il va venir ici ou ici. Moi, je suis bien ici. Toi, occupe-toi de ta bombe. Lisse comme ça pourrait marcher pour caler. Alors, il y a Zico qui m'avait envoyé un truc du coup. C'est ouf. Merci pour le Prime chez Raytoningus. Attends, j'arrive pas à remonter sur le com en question. Est-ce que Zico peut le reposter? J'ai commencé sur Roublard, oui. Est-ce que je peux réussir à faire ce que je veux? Non. Je ne vais pas pouvoir. Je vais mettre une bombe ici. Je vais déplacer là-bas. Je pense que je vais bot. J'ai fait. Le cast shadow. Tour 1 met une bombe et aimante là pour rapprocher le cardo. Ah oui, du coup, c'est vrai, on m'a donné l'info tout à l'heure. C'était peut-être toi. L'info comme quoi on peut aimanter les ennemis. Alors, je découvre le roublard. C'est full découverte. Si on peut aimanter les ennemis, ça change quand même pas mal de choses. Au niveau possibilité. Le cast shadow, c'est vraiment pas nouveau. Hein. Ça fait 6 ans que je stream, que ça existe, du moins que je connais que ça existe. 6 ans que je suis de retour sur Dofus, mais par contre, c'est pas une, c'est une commande de chat pour l'activer. C'est pas une option dans le jeu. Bon, comme ça, ça ne marchera pas. Le first try, c'est clairement pas suite. En fait, s'il n'y avait pas eu le succès spécial comme à l'époque du Forge Lance, j'aurais first try, sans souci. Aimantation, ça attire de 6. Par contre, si c'est un ennemi... Si c'est un ennemi, ça attire de combien? Ouais. Pas ouf. Il a loupé le spécial. Non, je suis pas obligé de full succès en une fois. C'est un petit challenge personnel. Ok. Tac. Ça attire de 1. C'est parce que c'est vraiment pas optimisé pour les ombres. Faites attention si vous utilisez l'option. Focus. En ligne de mire. Que 1. En avançant notre casse, tu peux mettre 2 bombes au cardo. Le problème, c'est que, en fait, moi, je vais exploser le sergent si je fais ça, encore une fois. On peut essayer ce que vous dites, hein. Mais j'explose le sergent, selon moi, là. Wow, il est pas mort. 5 PV. Hey. On a loupé focus, mais... Let's go! Mec, une bombe T1 attire le cardo, attire la bombe sur toi. J'ai pas le son si jamais tu me rep. Ça marche. L'ordre de priorité, c'est le cardo rime en premier et ensuite je peux largement taper qui je veux. Donc du coup, c'est good. Ah, merci le chat.
C'est bon, j'ai usé mon PM. On va faire péter et remettre une bombe. Ou forcément, hein, les succès, enfin, les challenges, bah, ça c'est clairement une autre histoire. Voir pas zombie. On va essayer le chat. Attendez, je vais faire péter ça. Oh, jure, c'est comme des taux. D'accord. Moi, je peux pas m'attirer du coup. En vrai, j'ai pas besoin de...